Bonjour, mesdames et messieurs, frères et sœurs. Nous avons l'habitude de discuter entre nous sur des sujets qui ont trait à notre vie. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo sur la confiance, les influenceurs, les acteurs politiques en Afrique et particulièrement en Guinée. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Parce que dans notre culture, on accorde souvent notre confiance à des personnes. Souvent, ils deviennent des leaders. Ils deviennent des personnes qui influencent sur plusieurs aspects. Mais ce qui apparaît comme bilan, il est temps pour nous de se poser des bonnes questions sur les confiances que nous accordons à ces personnes. Parce que quand on regarde la définition de la confiance, qui est la capacité à relever les défis par rapport au point ou à l'événement ou au sujet à laquelle on accorde la personne. Donc, nous devons essayer de nous interroger suite au bilan que nous avons à chaque fois que ces leaders ou ces influenceurs nous appellent à des événements. À la suite, très souvent, il y a des drames, il y a des pertes de vie. Il y a des pertes matérielles. Et donc, cela veut dire implicitement que les confiances qu'on accorde à ces personnes, ils n'ont pas les capacités de nous aider à répondre à ces confiances. Et donc, nous devons essayer de mesurer nos confiances, de ne pas l'accorder à n'importe qui. Il faut réellement se poser les bonnes questions. Il faut prendre des personnes très réfléchies et très abouties afin que on puisse éviter certaines choses. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui que nous subissons, un peu partout en Afrique, mais particulièrement en Guinée, suite à l'appel de certaines personnes qui se disent leaders ou révolutionnaires ou leaders politiques, ils ne sont pas à la hauteur de ce qu'on aspire de la confiance qu'on accorde à eux. Je vous appelle, frères et sœurs, à faire attention et à essayer de considérer un peu plus notre confiance. Parce que notre confiance, c'est très très important. Donc, essayons de voir que la confiance, si on accorde une confiance à quelqu'un, cela veut dire que on croit en lui, à sa capacité ou à ses capacités à relever les défis que nous avons, que nous supposons que ça doit être pris en charge. Donc, je vous remercie et je vous appelle à faire attention, à ne pas accorder la confiance à n'importe qui et à ne pas suivre n'importe qui.